Mais quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie? Voilà, est-ce que vous avez réalisé un exploit de fou? Quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie? Gilles Verdez, si vous me dites conquérir Fatou, vous sortez définitivement. Je vous le dis, comme ça c'est clair, comme ça je le dis. Hein, voilà, il y a Isabelle qui rigole, je vous le dis. Voilà, je vous le dis, Gilles Verdez. Ah, on a eu un très bel article dans Le Point, je le dis. Il y a une jeune fille qui est venue dans Le Public apparemment la semaine dernière du Point, qui s'est insérée dans Le Public. Et je trouvais que l'article était très sympa, elle a interrogé des gens du Public. Et voilà, je voudrais remercier tout le Public, parce que je savais pas, moi j'étais pas au courant. Et ils ont répondu à cette journaliste qui, et l'article était très sympa. Donc merci à vous, merci les filles. Merci. Est-ce que, quel est le plus bel exploit que vous avez réalisé dans votre vie, Gilles Verdez? Alors, ce n'est pas exploit, mais ce dont je suis le plus fier, c'est possible, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir aidé comme je pouvais, pas assez, mais comme je pouvais, des gens lors de la catastrophe de Furiani, aider des gens. J'ai pas fait assez, j'ai essayé tant que je pouvais d'aider des gens. Voilà, merci, bravo. Jean-Michel Maire. Je sais pas si c'est un exploit non plus, mais c'est il y a très très longtemps, j'avais 17, 18 ans, et à la basilique Saint-Pierre à Rome, j'ai chanté en solo devant le pape. Non, ouais. Vous avez chanté quoi? C'était une chanson religieuse. Ouais. Vous n'avez pas chanté une chanson de Francky Vincent? Non. Non, c'était un rassemblement des Pueri Cantores, et je faisais à l'époque partie des petits chanteurs de la Croix de Lorraine, c'est une qui n'existe plus. Petit chanteur, et j'avais été sélectionné. Chaque groupe de Pueri Cantores d'Europe chantait une chanson, et la chanson choisie, c'était celle où j'étais solo. Et donc j'ai chanté devant le pape, comme à Basilique Saint-Pierre. Lourd, Benaïm. Deux fois où j'ai dompté une peur vraiment panique, c'était sauter en parachute à 4000 mètres. Grâce à vous, enfin à cause et grâce à vous, et nager avec des requins. Non, c'est les deux fois où vraiment j'ai dompté une peur, mais panique, et j'y suis quand même allée. Donc j'étais fière de moi d'avoir. C'est vos exploits. C'est mes exploits personnels, mes petits exploits à moi. Vous. Pareil, un exploit personnel, c'est que il y avait chez mes grands-parents, c'était une maison de vacances qui était dans le Finistère Nord, et il y avait un énorme massif rocheux qui ressemblait à une espèce de crabe de pierre géant au haut de 3 étages, qui était à peu près à la ligne d'horizon, c'est-à-dire vraiment loin à la nage. Et j'ai fini par y aller, à par oser y aller à 18 ans. Donc, je comprends qu'on s'en foute, mais pour moi, c'était un truc super important d'arriver à faire ça. C'est un peu un rite de passage, en quelque sorte. J'ai même pas compris le... C'est pas grave. Un gros rocher loin dans la mer, finis par y aller. Donc, ton exploit, c'est d'avoir regardé un rocher? Non, d'y être allé à la nage. Écoute. Tu sais nager, en gros, quoi. On parle d'un rocher sur la ligne d'horizon, mon vieux. Effrayant en plus. Kelly, c'est quoi votre plus grand exploit, vous? Je dirais le plus grand exploit, c'est d'être arrivé ici en sachant pas trop ce que je fous là et d'être encore là 8 ans après. Je trouve ça chouette et ça me plaît. Bravo. Ketchup mayo, on vous prend, on vous parle dans un instant. Hein. Les deux, vous inquiétez pas, on va venir à vous dans un instant. Hein, les deux. Vous, c'est quoi votre plus grand exploit? Moi? Avoir repris la place de Daniel Moreau. Être malgré tout encore là, et je vous en remercie. Avoir fait 48 km en une nuit la Saint-Étienne, entre Saint-Étienne et Lyon, j'en suis fière parce que j'avais pas d'entraînement. Et surtout, le plus important, avoir sauté dans un préservatif avec Gilles. Ah oui. Vous vous souvenez pas? Et Gilles qui avait peur, qui s'était accroché à moi, et j'ai cru qu'on allait mourir cette nuit-là. Un préservatif usagé, t'as fait témoigner, je me souviens. Il a été usagé après. Oh ! Je ne comprends pas comment on peut être aussi lourd, en fait. Non, vraiment, parfois, je me pose la question, je me dis, comment on peut être aussi lourd? Un degré de lourdeur, c'est incroyable. Oui. Moi, c'est nul, mais j'en suis tellement fier. C'est quand on passe le permis. Ça va, toi, sinon? Ça va, et vous? Ça va. Vous allez ça bien? Va, ça va, fiston? Ouais, ça va. Et vous, bien? Ça va, en toi, fait, fiston? Quand on passe le permis de poids lourd, on doit passer le plateau, ce qu'on appelle le plateau, et on doit reculer avec le camion derrière des plots. Et à chaque fois, les mecs disaient, le record, c'est 16 secondes. Le record, c'est 14 secondes. Et j'ai fait le truc en 9 secondes 30. Oh, enfin. Bravo. Ah ouais, c'est tout con, mais je suis très je l'ai fait à fond. Oh, Géraldine, c'est quoi l'exploit? Moi, dernièrement, c'est peut-être avoir sauvé ma grand-mère. Ah oui? Ouais, parce qu'elle a eu un AVC devant moi et j'ai eu les premiers gestes pour elle et je l'ai sauvée. Elle est encore de ce monde. Ah, ça, je savais pas. Si elle est dans un petit état, mais elle nous regarde tous les soirs. Vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça lui procure de regarder l'émission. Embrasse. Comment elle s'appelle? Simone. Simone, je sais pas ce qu'elle comprend, mais en tout cas, ça, c'est un truc qui est hyper fort pour elle. Voilà. D'ailleurs, il y a une dame qui est venue, que j'ai invitée, qui m'écoute à la radio tous les jours. Je crois que c'est Catherine, c'est ça? Elle est où? Elle est là. Ça va, Catherine?
Ça vient, elle m'a offert des chocolats. Merci Catherine, je te fais un énorme bisou. Un amour, voilà. Chérie. C'est la clé, les chocolats. Comme vous pouvez voir, elle est venue avec son fils. Votre mari, très sympa, très beau, bravo. J'aime beaucoup, très beaucoup. Merci d'être là, mes chéris. Et vous, c'est quoi votre expérience? Moi, quand j'avais 10-12 ans, je jouais au foot, je jouais au Stade Rennais. Ouais. Et on a gagné un championnat régional. Et c'était mon plus bel exploit. Mais c'est vrai? C'est vrai, bah, bien sûr. J'étais au Stade Rennais. Je vous dis au foot quand vous étiez petit. Bien sûr, au Stade Rennais. Je vous ai vu jouer l'été dernier. T'es une chèvre. Non, mais parce que j'ai arrêté après. C'était quoi? C'était un vrai championnat ou c'est les championnats des chèvres du quartier? Non, j'ai fait Poussin Benjamin, j'étais au Stade Rennais, j'ai été détecté après. Poussin, j'ai fait les détectés? Bien sûr. Je pense que j'avais été détecté. Personne n'a pas joué au foot. Non, mais je vous jure que c'est vrai. J'en ai vu des pipes. J'ai des photos. J'ai des photos. Non, mais arrêtez. Vous avez des photos? Mais quel poste? Il habitait à Strasbourg. Gardien remplaçant. Non, j'ai habité à Strasbourg et à Rennes. J'en sors. Attends, je crois que j'ai des photos. Il n'y avait pas matière à le sortir, je suis d'accord. Raymond, comment tu l'as trouvé au foot? Il est sur le côté. Il joue sur l'aile. Mais attendez, il avait quel âge? J'ai des photos. Moi aussi. Fais voir les photos, normalement. Mais une IA. Mais oui, non, mais non, mais non, c'est pas une IA, pas du tout. Mais je jure que vous étiez de Strasbourg. Mais j'ai grandi à Strasbourg et à Rennes. Et d'ailleurs, j'ai un petit cousin qui joue là en Ligue 2, qui est Benjamin Janton. Ah oui. Ah bah vraiment. Ça, c'est faux, hein. Ouais. Si. Ça, c'est faux. Ça, c'est bidon parce que ça a Enzo été vérifié auprès de lui, journaliste. Vous ne connaissez pas. Ah non. C'est pas le fils du journaliste. Personne ne me croit. Enzo. Je vous dis n'importe quoi. Quoi? Mais si. Enzo Janton. Mais t'es de la famille de Florian Janton alors? Non, Enzo. Oui, Florian Janton. C'est la famille de Janton Loulou, le renard. C'est pas le même côté. Regarde, il fait une jambie. Ça, c'est toi. Voilà, regardez le maillot du Stade Rennais. Mais t'es dos. Bah, arrêtez. C'est le maillot du Stade Rennais. Bah, arrêtez. Mais moi aussi, je peux mettre un maillot comme ça. Arrêtez un peu. Voilà, regardez. Bah, arrêtez, mais c'est Pino. Je l'ai vu jouer au foot. Bah, oui. Moi aussi, j'ai un maillot du PSG. J'ai jamais joué au PSG. Moi aussi. Pourquoi j'aurais un maillot du Stade Rennais? Mais arrêtez de dire des conneries. Vérifier. Moi aussi, j'ai des slips. Oui. C'est pas pour ça que j'ai fait du plongeon à 10 mètres. Dites pas de bêtises. Après, à 10 ans, c'est possible. À 10 ans, c'est possible. Mais à 10 ans, mais après, à 10 ans, c'est rien. Ça a dégringolé. Et Benjamin Janton, il a 44 ans. Oui, c'est Enzo. Ouais, merci. Parce Enzo Janton qui joue à Lorient, qui est défenseur. Ouais, ah oui. Gilles. Mais il le connaît pas. On a vérifié l'autre jour. Il y a 10 jours qu'il nous mitonne là-dessus. Le gars te connaît pas. Mais c'est quand même fou. T'as son numéro. Je ne connais pas ce gars. Je vous prouverai le contraire. Le gars ne te connaît pas. Mais je vous prouverai le contraire. Donc c'est, moi, pour moi, le plus bel exploit, c'est quand même Géraldine. Ah bah oui, c'est le Ah oui. Parce que vous, votre exploit, là, jouer au foot, on vous a vu jouer, c'est catastrophique. Pourquoi? Mais comment? Non, mais sans, mais on vous a vu jouer, arrêtez de dire non, mettez pas un pied devant l'autre. Non, sans rigoler. Mais les gardiens, on dirait Mbappé contre Barcelone samedi, arrêtez un peu. Non, mais sans rigoler, c'est vrai. Parce que je suis intimidé quand vous êtes là, mais quand je suis sur un vrai terrain. Quand je suis plus sur le terrain, vous jouez. Un jour, grâce à vous, on a joué au Parc des Princes, j'ai été décisif. Ah ouais? Ouais, j'avais fait un centre et tout, là, Raymond, il a vu. Comment tu parles? Bah quoi? Moi, tu connais rien. Non, mais quand je suis là, il est pas bien, c'est vrai. Bien sûr. Je suis déstabilisé. Ah, je viendrai plus. Gilles, vous l'avez vu jouer? Non, j'ai jamais vu jouer, mais il paraît que c'est une horreur d'après les Non, mais Raymond, qui est un bon joueur, l'a vu jouer. Raymond, est-ce qu'il a été une fois dans sa vie bon au foot? Oui. Ah, c'est un camion, il fonce sur tout le monde. Non, il est, ça va, il faut pas le laisser frapper parce qu'il frappe, mais sinon, il est pas. Il ça pas fait beaucoup. Mal, ma gueule. Il n'y a pas beaucoup de technique. On était là, on a vu. Il n'y a pas beaucoup. Il n'a pas. Bah, je te rappelle qu'on n'a pas voulu le prendre de notre équipe. Bah oui. Tu te rappelles pas, ils ont fait une équipe, ils ont pris tous les mecs forts entre eux, avec des mecs du centre de Monaco. Ils ont pris 10-1, les mecs. C'est vrai. 10-1, c'est vrai, il a pas voulu être avec nous. Il est parti avec les mecs qui jouent à Nice. Vous savez, c'est la vérité, les téléspectateurs, ce qu'il a fait. Il nous a invités à faire un foot, Raymond. C'est tardin. Olive. Donc nous, ce qu'il nous a mis, Olive avec nous. Je te jure. Olive. Un pompiste. Et lui, il a ramené des mecs du centre de formation de Monaco. Ah ouais. Tu te rappelles ou pas? Bien sûr. Il a pris 10-1. Monaco. Et après, on a changé des sous. Estimé. Non, mais c'était. Et Hanouna, on a ça que j'ai dit, reste devant. Reste devant, je m'occupe du reste. Et vous aviez votre coach sportif? Ouais, bien sûr. Qui est coach sportif. Coach comme nutrition. Comme moi, je suis charcutier. Également. Coach nutrition. Et vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, Olive Olive, à la fin du match? Quoi? Bah, Cyril, je te remercie d'avoir joué avec nous. Il est bon. Je suis en colère aujourd'hui. Et moi, je me suis blessé ce jour-là, je le dis. Ah, c'est vrai. Il y avait mon fils. Et je suis blessé, je suis énervé en plus sur un tir. Et il y a mon fils, je suis assis. Et mon fils m'envoie le ballon dans la tête, sort maintenant. Non, mais sans rigoler. C'est vrai, il rigole en plus. Et si tu es venu ici pour rigoler, tu vas rentrer à la maison. Ça suffit maintenant. Non, en vrai, je peux dire, mon plus bel exploit, c'est de vous avoir rencontré.
En 2017, oh là là. Parce que en vrai, je bossais à Energy 12. Mais non, il est sincère. Non, mais je vais raconter la vraie histoire. Et je bossais avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane Joff, qui est très sympa. Et je devais animer tellement vrai. Il devait refaire tellement vrai et tout. Arrête, et Cyril m'a appelé. Arrête. En même temps, il a raison. Un tic, vous allez voir chez vous. Vous allez voir, vous allez avoir un tic. Et Cyril m'a envoyé un SMS que j'étais sur Europe 1. Il m'a dit ouais, tu veux pas que je sois ton producteur et tout. Je suis allé rencontrer Cyril. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais n'y va pas. Il va te tèche au bout d'une semaine, etc. Et vous m'avez écrit on va faire de grandes choses ensemble. Et on a fait plein de choses ensemble. Et j'ai fait le bon choix, donc merci beaucoup. C'est beau. Non, c'est vrai. C'est mignon. Ça n'empêche pas de manger avec d'autres producteurs. Voilà. C'est vrai. On rigole.